Boum, me voilà actuellement dans une map réputée comme étant la plus flippante de Minecraft et que personne n'a encore jamais réussi à finir. Mais ça encore, c'est rien. Yoananas m'a envoyé 5 niveaux de map de la moins effrayante à la plus flippante. Et nous, notre but, si on est assez courageux, sera d'aller jusqu'au niveau 5. La map la plus flippante de tout Minecraft. Ok, du coup, on commence au niveau 1. D'ailleurs, au passage, merci à Liandre qui vient de s'abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Ça fait plaisir du soutien, merci mon gars. Donc, on va commencer. Allez, on vient d'apparaître. Et bref, du coup, on est dans une ville. Mais moi, les mecs, il faut savoir que j'ai peur très très facilement. Mais j'adore avoir peur, donc c'est un peu chelou. Et là, il y a qu'une seule maison qui est éclairée. J'ai l'impression que c'est celle-ci où il faut que j'aille. Ok, je sens la petite tension là. Allez, on peut rentrer. J'espère qu'il n'y a pas un truc qui va me sauter dessus dès le début. Bon, là, il y a des sapes. Je vais les prendre au cas où. Voilà, on est plus beau comme ça. Il y a plein d'items. Écoutez, je pète tout. Bon, alors, j'entends un chien. Est-ce que je dois le libérer ou quoi? Ah, il est là. Écoute, tu es libre. Ah, mais regardez, en fait, depuis tout à l'heure, je reçois des messages dans le chat. Et donc, en gros, là, c'est ma mère qui m'a dit que je devais nourrir le chien et que je devais nettoyer la piscine. Alors, le petit problème, c'est que j'ai tué le chien. Je pensais pas qu'il serait important. Et apparemment il faut trouver une brosse pour nettoyer la piscine. Alors je suppose que je dois la trouver dans un des placards. Oh regardez, je crois que c'est ça. Elle était au dessus du frigo. Et l'os du chien que je devais lui donner. Bon dommage. Et donc en fait avec ça je crois que je peux casser la mousse. Ok, bon, pour l'instant ça ne fait absolument pas peur. C'est le niveau 1. J'espère que les choses vont un peu se mouvementer. Alors, après avoir fait les tâches de la maison, j'entends quelqu'un rôder autour. Je sais pas si vous entendez les pas là. On va vite tout fermer. J'ai reçu un message de ma mère qui disait qu'il fallait pas que je veille tard. Mais là, j'entends des bruits autour de la maison. Là, il y a personne, c'est sûr. Oh, wesh. Quelqu'un a toqué à la porte là. Est-ce que je dois l'ouvrir? Je pense pas. Mes parents sont pas censés revenir ce soir. Sarkoza. Wesh. Pourquoi il y a quelqu'un, il a dit Sarkozy? Ouais, j'ai peur. Oula. Attendez, attendez. Y a personne, hein. J'ai envie de courir pour aller voir. Qu'est-ce que ça va, y a personne dehors. D'où viennent les bruits, là? Oula, oula. Bizarre l'ambiance. Oh. C'est quoi, ça? C'est la sonnette qui a sonné. J'ai pas envie d'ouvrir. Oula. Ok, là, y'a ma mère qui me dit, Josh, est-ce que tu es à la maison? Ne panique pas, il y a quelqu'un. Il faut que je me cache. Ok, ma mère me dit de me cacher. Je sais pas où aller. Il faut pas que je laisse les portes fermées. Ok, y'a aucune planque ici. Vite, je commence à paniquer. Ok, 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 ok. On va aller dans le placard ici. Hop là, boum. Mais ça sonne! Ok, ça fait déjà un petit moment que je suis caché dans le placard. Oh, n'entendez pas. J'ai pas envie d'ouvrir. Oh, oh! Il a pété une fenêtre. La vie de ma mère, j'allais sortir. Hein. J'allais me faire défoncer. Oh! Il est à côté! Il y a le plancher qui craque. Il est clairement dans la chambre, j'ouvre le placard, je meurs. J'ai envie d'ouvrir les gars. Ok, j'ouvre vite fait. Y'a personne à la fenêtre. Ok, je ferme, j'ai peur. Bon, je pense, vas-y, allez, on est des bonhommes, on va voir. C'est bon là, c'est trop. Il a clairement ouvert le portail. Lolo. Mais en fait, il y a pas... Ah. Le chien. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Ok, ça c'était le niveau 1. Voyons voir maintenant si on arrive à surmonter le niveau 2. Allez, juste au passage, merci à AyoubZNG qui vient de s'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Ok, nous voici maintenant dans le niveau 2. Ça commence directement dans un hôpital. Et là, ma mission, c'est de rentrer dans celui-ci. La réception, c'est là, donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Genre, oh, le bouton ici. Et là, apparemment, il faut que j'enquête sur la zone, genre, réservée aux enfants. Bon, visiblement, les ascenseurs nous y amènent pas, c'est que c'est pas là. Oh, 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 ça, c'est clairement pour les enfants, regardez-moi ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver ici? Des Rubik's Cube, des livres? Oh, what? Ah, j'ai jeté l'œuf, j'ai flippé, genre. Bon, en gros, ça parle de quelqu'un qui est à fond dans les rêves. En fait, il voit le potentiel infini des rêves et il nous invite à un peu à prendre parti à ça. Du coup, je sais pas s'il y a un lit, faut peut-être que je dorme. Oh, regardez, je l'avais pas vu, il y a un petit bouton là. Enfin, si c'en est un. Bref, la porte s'est ouverte. Alors là, par contre, toutes les lumières se sont éteintes. Je sens que je vais regretter de faire cette vidéo en solo. Là, il y a les dessins d'un enfant traumatisé par un homme bizarre. Bon, il y a rien du tout dans l'épisode. Oh! What? J'ai eu peur d'un texte qui brille en fait. Bref, c'est quoi ça? Il y a un petit caillou. Oula, oula, what? Attendez. Ah, what? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je sais pas, il y a un monstre qui a spawn derrière moi. Attendez, quoi? Pourquoi je suis au début là? En fait, je crois que je suis dans un rêve et dès que je fais un cauchemar, je recommence. Bon, j'ai débloqué une nouvelle salle. Ça a l'air d'être le réfectoire, non? Oula, il y a des... Il y a des bruits.mp3 que... Mais ces bruits, je les ai déjà mis moi-même au montage pendant une vidéo. Donc ils me font pas très peur. Là, c'est la sortie. Hein? What? Ok, visiblement, je rêve et les choses se transforment pendant mon rêve. Bon, il y a une porte, c'est inaccessible. Ok, là, je m'enfonce très... What? Il y a des infirmiers? J'ai pas envie de les approcher, hein. J'espère qu'ils m'ont pas vu. C'est un grand labyrinthe, là, je sais pas où aller, moi. Wow.
What? C'est une secte ou quoi? Mais attendez, je suis stupide ou quoi? J'ai pas vu le levier là. Mais oh là là! Attendez, faut juste que je vois s'ils sont méchants en fait. Wow, 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 ok, 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 je rigolais en fait. Ok, maintenant on sait que eux, faut vraiment éviter de les croiser. Oh, ça y est, je crois que j'ai trouvé. C'était cette porte là qui était pas ouverte. Et ça nous mène vers. Oula, très long couloir comme ça, c'est inquiétant. J'espère que rien ne va être derrière moi. Ok, y a plus de bruit. J'ai trop peur. Oh, j'ai trop peur. C'est sûr, il va y avoir un truc derrière moi. Ok, on regarde comme ça, on triche. Attention. Ah, je suis complètement en train de rêver là. Je vais avancer. Oula. Oh, ah, wow, 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 wow. Ok, je suis tombé dans le sol. Oh, j'ai eu trop peur. Allez, on va vite sortir de là. S'il vous plaît, un endroit où je suis safe. La morgue. Oula, c'est la morgue, les mecs, c'est là où il y a des cadavres. Où on les range pour les brûler après. Ah, ok, 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 je me douche, genre je me désinfecte. Bon, qui est le prochain à se faire enterrer là? J'espère que c'est pas moi. Ouais, les mecs, il y a des trucs de secte là. C'est quoi ça? Comment je sors d'ici? Ok, ça a ouvert ici. Hop là. Là, il y a un autre bouton. Avant ça, oh, la petite clé, on l'a vu. Bon, pour l'instant, est-ce que cette map me fait plus flipper que le niveau 1? Je sais pas. Ok. Ah ah ok, oui, c'est quoi ce truc? Faut que je me cache. Je sais pas où. Les gars, je vais où? Allô, à l'aide. Je me casse. J'ai pas envie d'y retourner, hein. Allez, on y retourne. Oh là 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 là. J'ai trop peur, les gars. Pourquoi la musique, elle démarre comme ça? What? Pourquoi dès que je veux y aller, ça fait ça? Ok, ok, on y va. J'espère qu'ils campent pas la porte, hein. Écoutez-moi bien, les mecs. On va faire un rush. Ce sera le rush d'une vie. Là, je cours. Il est à gauche. Oh, ferme. Est-ce qu'il est là? Non, il est reparti. Ok, clique sur les boutons par rapport au symbole que tu as vu dans la morgue. Alors, les mecs, je sais qu'on a vu ce truc-là. On a vu aussi la clé. Allez, on le tente. Ok, let's go. Oula. Mon objectif là c'est de sacrifier la créature corrompue. Je vois pas avec quoi. One life les gars. On y va. Go. Ah, je passe par derrière. Comment je la corromps? Ok, bon. Allez. On l'affronte. Bon, on a perdu. Mais du coup, je ne vois pas comment la corrompre. Là-haut là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une tête. Ah mais attendez, il y a peut-être un monde où la créature je dois l'amener ici là. Hop. Oui, ok. Viens dans la salle des esprits. Fais-toi sacrifier. Oui, c'est ça. Let's go! Normalement, ça a libéré un passage. Allez, prochaine porte, danger, inhalation. Allez, là, je suis arrivé dans un espèce de dortoir chelou. Il y a des bruits bizarres, hein. Ok, faut clairement aller ici, sauf que c'est fermé. C'est... What? C'est quoi ça? Ça dort? Je me suis couché sur lui, là. Oula! Oh, j'ai trouvé un scalpel, là. Ou alors, faut le réveiller. Ah, je l'ai tué. Ça a déverrouillé la porte, ok. Bon, on se casse. Oula, j'arrive encore dans une salle satanique. Est-ce que je dois faire un sacrifice? Je vais jeter ça. Oh, oula! Oula, ok, là je suis clairement dans un rêve. Ok, ouh, ça y est, je viens de me réveiller. Maintenant, il faut que j'aille mettre le courant à l'ascenseur. Et le seul endroit où je suis pas allé, c'est là. Allez, là, on est dans des sous-sols bizarres. Il faut que je trouve un levier apparemment. J'ai récupéré un œuf. Pourquoi faire? On va le cas. Bon, moi je suis plus seul. Hop là, j'ai rallumé la lumière. On y voit beaucoup mieux. C'est mieux du coup. On rallume ici. Oh, je fais encore un rêve. J'espère que personne va rentrer. Oh, je peux bouger. Ouh là là, je le sens mal. Un couloir long comme ça, avec un effet de lenteur comme ça. On va encore regarder derrière nous. Je stresse. Allez, on essaie de courir. Ok, on a le levier ici. Boum. Alors, par contre, c'est contradictoire. On a allumé le courant, mais il n'y a plus de lumière. Bref, est-ce que je peux utiliser ça maintenant, moi? Wow. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai trop peur. Oh, ouh, sauvé. Ok, je suis dans l'ascenseur. La petite musique est rassure. Ça y est, on est arrivé. Mais par contre, ça, les mecs, c'est que le niveau 2. Oula, et encore une salle satanique qui vient de s'ouvrir. Oh, on va pour se mettre très bien. Hop là. Ah non, c'est une carte pour ouvrir les portes, je crois. On devrait pouvoir s'en servir. Oh, what the fuck. Oh non, ça fait trop peur, je vais pas là-bas. Hein. Mais les gars, ça fait trop peur. Genre là, je dois avancer là. C'est mort, plus jamais je retourne là-dedans. Alors, je crois que j'ai ouvert un truc. Oula. Wesh. J'ai ouvert la cage d'un monstre, en fait, là. Qu'est-ce que... Hein? What? C'est qui ce gars? Pourquoi il veut rentrer chez moi, là? Dégage! Attends, mais il va la casser, c'est ça le pire. Mais je dois faire quoi, là? Est-ce que je me cache? Il est ouvert. Je suis pas allé par ici. On va aller dans la zone de la sécurité. Mais il est énorme, ce... C'est quoi ce délire, là? Est-ce que je dois pas me faire toucher par les rayons laser? C'est genre comme une caméra? Attends, c'est trop stylé. Allez, là, on va passer, vous savez quoi? Boum, on court. Attends, j'ai trop envie de voir ce qui se passe si je me prends le laser. Ah, mais en fait, il y a plein de leviers. Hop, on active celui-là. On va activer lui en speed. Boum. Alors, comment on va faire là? Est-ce qu'il va suffisamment à droite? Ouais, ça va. Hop, tac. Et est-ce qu'il m'en reste? Je crois pas. Ok, j'ai désactivé sa caméra là. Ici, là-bas, c'est pour faire un gros rêve. Et ici, oula, tu sais jamais d'où sont les yeux qui te regardent. On va faire genre que c'est écrit ça, les gars. Bon, il y a un lit au centre de tout. J'ai quand même l'impression que c'est
genre une machine branchée au cerveau pour faire des rêves de fou. Ok, vas-y, on dort, on va essayer de faire un rêve lucide. Je rêve d'avoir 300 000 abonnés. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour que mon rêve se réalise. Bon, les mecs, je crois que je suis trop nul, je suis bloqué à une énigme. Donc franchement, celle-ci, elle faisait pas mal flipper. Mais maintenant, on passe au niveau 3. Ok, allez, ça part pour le niveau 3. Donc tant que je peux respirer là. Merci à Foxy le BG qui vient de s'abonner à la chaîne. Allez, ça part. Ok, les lumières s'allument. J'ai l'impression que je suis dans un cimetière hanté. Il y a un fantôme gentil qui nous parle. Il m'a dit qu'il y avait des choses bizarres qui se passeraient dans un manoir et qu'il faudrait que j'enquête et que je le venge. Sauf que apparemment, il y a des choses horribles qui se passent là-bas et que je vais probablement pas survivre. Donc ça annonce la couleur. Oh waouh, waouh, waouh. Mais attends, il m'amène à wesh, il y a une teuf là qui se passe, je peux en faire partie? Oh, par contre, en fait, je crois qu'il m'amène à une entrée secrète. Ok, c'est là que ça démarre vraiment. Ok, 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 ça part. Il y a l'éclair et tout, oh là là, je kiffe. Mais j'ai peur, donc à tout moment, on la finit pas. Déjà, j'ai pas fini le niveau 2 en vrai. Je garantis rien pour celui-ci. Bon, j'arrive déjà pas à trouver la sortie là, ça part très très mal. What? Ah ouais, il y avait un démon dans un placard. Est-ce qu'il m'a ouvert la porte? Ah mais ça vient de s'ouvrir ça, j'avais pas vu. Bon, là je suis vraiment dans les souterrains du manoir. Et il y a des bruits d'araignées. Oula, oula, oula. Waouh, waouh, waouh. Depuis quand ça va au plafond ce truc? Waouh, je viens de trouver une entrée secrète là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me ramène à un endroit où il y a des bruits bizarres. Rassurant. Allez, on va monter tout en haut. Je crois que... Alors vu la musique, on rentre dans le dur là, ça y est. Est-ce que je monte... Oula. Est-ce que je fais demi-tour là? C'est niveau 3 les mecs, donc là je m'attends au pire. Il y a un truc qui est passé. Je l'ai vu très brièvement. Est-ce que je dois le suivre? Oula, il y a une porte à code là. Et wow. Oh. Quoi? C'est quoi cette musique? Il y a un tueur là? Qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est qui lui? Oh. Ah. Oula. Est-ce que je dois y aller? Ok, ok, il est parti, je crois. Il m'a laissé entrer. Ah! What? Ok, en fait, là, c'est un espèce de cache-cache, je crois. Je dois le chercher dans des dressings. Ah, pas du tout, en fait. Je crois que je dois trouver le code pour le suivre, en fait. Oh, et du coup, je peux cliquer dans le chat. Apparemment, déjà, il y a un 1. On va tout taper, les gars. Ok, le 5, c'est correct aussi. 1, 5, 8, 7. Oh, oh, let's go! Ok, bon, je sais pas où je devais trouver le code, mais... Bah, GG à moi, en tout cas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un... Ok, c'est un ascenseur. Alors, du coup, où est-ce qu'on arrive, là? Ça y est. Alors, c'est pas moi qui bouge la cam, là. Ah, je me fais cracher dessus! Mais c'est dégueulasse! Elle a une de chacal, là. Oh. Oh, des... Je me suis fait attraper. Il m'a enfermé dans un sous-sol là. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a de l'eau. Si je prends une douche. Mais clairement, fallait prendre une douche. J'ai pas l'habitude, les gars. Les douches, ça me dégoûte. Bon, je suis dans les égouts. Ah, ok, j'ai trouvé des portes là. Boum. Mais il y a rien. C'est un camp de SDF. Wow, wow, wow. C'est quoi ça? C'est des souris? Mais what? Je savais pas qu'il y avait ça dans le jeu. Oh, oh. C'est une caméra d'entrée. Je peux pas rentrer. Oh, j'ai trouvé une clé. Ok. Est-ce que du coup, ça me laisse passer? Oh, ok, ça marche. Bah, t'as toujours plus de bruit. Ok, je crois qu'il y a une autre entrée de SDF là. Mais comme d'hab, il n'y a rien à en tirer. Ok, bon, décidément, les SDF, on ne leur fera plus jamais confiance. Il n'y a rien du tout dans leur cabane. Ah. What? C'est quoi ça? Purée. Oh, j'ai eu la peur de ma vie là. Wow. Allez, rajoute-en. C'est carrément, j'ai ouvert l'inventaire et tout, frère. Je m'y attendais trop pas. Les égouts sont infinis. Mais en fait, là, je suis dans les backrooms, genre. Oula. Il y a une araignée dans l'eau là. Oh. C'est qui ce gars là? Il veut me montrer par où c'est, je crois. Il est parti par là-bas. Je sais pas si, du tout s'il est gentil. Oula, tu es arrivé jusqu'ici. Tu es donc un brave jeune garçon. J'invente pas du tout parce que je sais pas parler anglais. Oula, 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 je me fais capturer carrément là. Viens par ici, très cher enfant. Bah avec plaisir, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Comment oses-tu entrer dans mon manoir à minuit 1? Tu vas devoir goûter à ma soupe de carottes. Tiens, je crache du sang. Je prépare la cuisine. Maintenant, j'éjacule de... Qu'est-ce que je raconte? Mais elle fait tout disparaître. Madame, j'ai pas compris vos objectifs. Est-ce que vous pouvez réexpliquer en français? Oula, bah je vais me retrouver dans le noir en fait. Elle fait tout disparaître? Bah oui, bah voilà. Bah où suis-je? À l'aide. Ok, je crois que je dois la trouver. Oh! Ok, je suis plus où dans le manoir là. Wow, c'est quoi ça? Oh, c'est un fantôme. Est-ce qu'il est gentil? Oui, c'est moi. Tu es probablement prise au piège. Tu devrais réussir à trouver la sortie près d'une crotte sèche. Oh, j'essaie d'être RP, les gars. Je sais absolument pas ce qu'il raconte. Hein? What? C'est bon, la barrière elle est bizarre. Elle est genre agrandie. Bon. Oh!
What? Mais faites plus ça en fait. Je crois que c'était un fantôme friendly. Les gars, je lis pas. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire. On va reprendre une douche, voir tout à l'heure ça a marché. Ok, non, c'est pas ça. Ah, ça y est, la barrière s'est levée. Ah, c'est quoi ça, bro? Il faut la chenille là. Mais il est insupportable lui. Ok, les gars, je crois que j'ai détruit la map. Non, parce qu'en fait, j'ai transformé les eaux en poudre d'os. Bon, bah, c'est pas grave, comme ça, on va aller au niveau 4. Ok, du coup, on se retrouve maintenant au niveau 4. Et là, les mecs, je crois que ça ne rigole plus du tout. On est bien dans Minecraft, les gars, c'est des items trop bizarres. Oula, oh, oh. Ok, il y a comme une vidéo qui se joue. What? Est-ce que c'est possible ça? Les gars, je suis sur Minecraft là. Hein. J'ai mis aucun mode, j'ai juste lancé la map. What? What? Il y a carrément une vidéo. What? Mais les gars, c'est Minecraft ça? Non mais c'est une dinguerie. Ok, je crois que c'est des potes qui jouent à cache-cache. Déjà, rien que là, c'est trop creepy en fait. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Bon, bizarre l'ambiance là. C'est trop bizarre. Oh, ok, je crois qu'il y a un mec qui est... Oh, c'est une map backroom. Oh non! Et c'est aussi bien fait que ça? Ok, j'ai très peur. Ok, ok. Mais je joue là? Quoi? Mais c'est une dinguerie! C'est Minecraft! Allô? What? Du coup, j'ai très très peur là. Il y a juste un problème, c'est qu'on se déplace hyper lentement. Je pense que c'est fait exprès. Allez, je vais prendre le couloir du milieu. Ok, bon. Mauvais choix. Oh! Oh non, oh non, je déteste ça. Allez, on va prendre par là. Bon, vu que je sais qu'il y a un truc qui me poursuit, je vais forcément regarder derrière moi tout le temps, vous m'excuserez. Bon, est-ce que y a pas quelque chose à trouver là? Oh, 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 what? J'ai trouvé une échelle. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Ça va? Non, il y a personne. Attends, j'ai déjà trouvé la sortie là, mais incroyable, je suis trop fort. Ok, est-ce que je peux monter? Ouais, ok. Ah, c'est carrément une vidéo là. C'est une dinguerie. C'est quoi ce niveau 4? Ok, j'ai pas hâte du niveau 5 là, les gars. Ok, personne à gauche. Bon, en gros, c'était un espèce de conduit. Ça m'a amené ici. C'est trop bizarre. Hein? Il y a un mec qui a chuchoté? J'ai trop peur, les gars. Ça m'a juste complètement désorienté là. Vous l'avez vu? Est-ce que je vais là où il était? Genre en mode il me montre le chemin. Peut-être que je survivrai pas une seconde dans les vrais backrooms moi les gars. Ok, il m'indique que c'est là-bas. Bon, on va suivre les flèches. Je crois que c'était des écritures mais c'est juste un mur bizarre hein. Je saurais pas vous traduire ce qu'il y a écrit ici. Ça se trouve faut pas le regarder ou quoi, j'en ai aucune idée là. Don't more stay still. Alors là je ne comprends pas. Ok, il est pas là. Putain, j'ai trop peur de tomber dessus, en plus on est hyper lent. Genre je tombe dessus, jamais de la vie je peux courir en fait là, enfin. Ah, laisse-moi tranquille. Ok, ok, c'est là que ça joue. Ça part, ça part. Ok, faut que je me trouve un chemin. Ok, il court très vite, il court très vite. J'espère ne pas tomber sur un cul-de-sac. Mais les gars, c'est une dinguerie. On dirait tellement pas qu'on est sur Minecraft. Je suis revenu au départ là. Non, c'est pas là que je voulais aller hein. Bah vous savez quoi, on va tenter le tout premier couloir. Mais il est encore là. Je croyais que j'étais tranquille. Ok, on ne se retourne pas. Je l'entends, c'est quoi cette salle de fou? Les gars, je l'entends, laisse-moi tranquille. Ok. Il est là, il est là, il est là. Non, c'est horrible, c'est horrible. Je peux pas finir ça. Ok, ok, là c'est la salle bizarre. Je sais plus où je devais aller là, je sais que j'ai tourné à gauche à un moment donné. Mais là on va pas tourner, on va y aller tout droit. Ok, bon on va tourner, ok, non c'est bon. Allez, vite, 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 vite. Tombe, 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 tombe. Ok. Ok. Je suis à un autre étage. Il m'a pas suivi. Let's go! What? Mais c'est trop bizarre, je suis dans Minecraft! C'est quoi ce jeu de fou? Où est-ce qu'on va? Là, il y a une petite salle de bain. Non, mais c'est une dinguerie. Il y a une petite fenêtre qui mène vers rien du tout. Allez, on va monter là. Ok, je suis arrivé en haut. Oh, c'est les backroom immeubles. J'ai vu plein de vidéos comme ça sur TikTok où, vous savez, il y a des têtes qui vous courent après. Genre des Michael Jackson, et ils font... Bon, je sais pas ce que je raconte, bref. Là, il y a des bruits chelous là. Mais c'est une dinguerie. J'ai l'impression d'être sur Bedrock. Les gars, je suis sur Java là. Oh waouh. Je sais pas comment je vais passer. Est-ce que c'est le vide vraiment en dessous là? Ça me fait trop penser à Garry's Mod. Oh là là. Ok. Alors, c'est. Waouh. C'est trop stylé. C'est trop trop stylé. Il y a écrit exit là. Je sais pas si je dois les écouter. On va essayer de prendre la porte. Ok. Oh, mais c'est incroyable. J'ai trop peur. Bon, je pense que j'arriverai pas à finir ce truc. Ah non, non, non. Moi, je retourne pas là hein. Non, 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 je ne veux pas remonter, je me casse en fait. Non, c'est une vanne. Oh, je suis vraiment de retour ici. Vous entendez? What? Mais tu sais pourquoi mon perso bouge plus? Hein? Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu.
je peux aller là? Mais il fait trop peur ce jeu, il est horrible. Non mais ça c'est le niveau 4, c'est quoi le niveau 5 en fait? Attendez, où est la sortie là? Ok, je crois que je suis sur la bonne voie. Je regarde derrière moi au cas où, c'est bon, il est pas là. Et on se taille, j'espère revenir dans l'étage où j'étais avant. C'était beaucoup plus rassurant. Mais c'est un toboggan le truc là. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie en fait. Ok, j'ai atterri en parachute. Où suis-je? Ah mais je viens de comprendre, en fait je suis ressorti des backrooms là, j'ai atterri dans le monde normal. What? Mais attendez, mais c'est pas fini, ce n'est pas fini. Mais là je crois que je joue un autre petit garçon qui est dans son garage. Il veut faire une vidéo, il pose la caméra sur son trépied genre. Qu'est-ce que c'est que cette main? Il a trouvé un endroit où les objets passent à travers le sol. Et du coup je pense qu'il va essayer d'y aller lui. Ah, il met un mètre, ok. Allez, ça descend très profond. C'est... Oh, what? Il s'est fait attraper. Non mais lui il a pas vu les vidéos de Feldup en fait. Ne jamais faire ça les gars. Essayez, on est de retour. Bruh, non. Il y a tous ces petits objets et tout. Bon là je suis dans un couloir un peu plus normal. Mais maintenant à chaque tournant j'ai trop peur de voir quelque chose là. Okay, c'est une espèce de backroom maison. Mais mon perso, il me fait peur à parler. Les chaises, elles sont complètement disproportionnées, là. Alors moi, je ne connais pas du tout cette backroom, là, par contre. Bon, là, je tombe sur rien. Tout va bien. Il y a un étage supérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je suis arrivé dans un grand salon, là. Oui, c'est ça. Ferme-la. Il me fait stresser, le gosse. Je vais passer par là. Oula. Oh. Ça, c'est ma porte de sortie, ça. Allez, on va dedans direct. Ah, je peux pas. Bon, la porte, peut-être. Ah, je regarde dans la serrure. Y'a quoi? Y'a rien. Ok, bon, visiblement, mon perso ne veut pas aller là-bas. On va faire demi-tour. Ah, y'a un toboggan là. Bizarre, ça me rappelle quelque chose. C'est l'étage d'au-dessus, ça. Oh non, je crois qu'il veut que j'aille au-dessus. Hein. Logiquement, je peux pas, hein. C'est une pente, genre. Mais comme par hasard, je peux. Non. Non, je peux pas y aller. Le jeu m'oblige pas. Y'a rien. Ah, mais c'est pas. Mais c'est une backroom bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un s'est fait exploser contre le mur. On va prendre à gauche là. Mec, chaque angle, je stresse. Pour l'instant, petit labyrinthe calme. Oh, what? Déjà, là-bas, c'est la sortie, je crois. Oh, on arrive sur un hôtel, non? On dirait un couloir d'hôtel. Oh, y a un bruit. Je cherche pas à comprendre. Je rush vers cette porte tout de suite. Oh, attendez. Ok, ça va. Alors, où est-ce qu'on est, là? On est de retour dans un espèce d'appartement. Mais les backrooms, elles sont complètement mélangées, genre. Est-ce que suivre les traces, c'est une bonne idée? Pas sûr. Oula. Vous le sentez arriver, là? Oh my god. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Les gars, j'ai envie d'arrêter, en fait. J'ai juste envie d'arrêter, là. Non. Oh non.